Bonjour à tous, je reviens de la Syrie, comme vous pouvez le voir. J'ai été chercher des fonds de wagon, comme on dit chez nous, pour faire un escalier un peu rustique. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment calculer un escalier droit, comment faire son calcul pour arriver à trouver l'escalier qui soit le plus confortable possible. Donc je vais parler de formule de Blondel, je vais parler de giron, de hauteur de marche, voilà, ce genre de choses, nez de marche. J'espère que cette vidéo vous plaira en termes de contenu, parce que là, ça va être un peu plus technique. Donc j'ai un petit tableau blanc, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Mais avant toute chose, je voulais vous parler d'une petite chaîne que j'ai découverte qui s'appelle Le Franc Constructeur. C'est un jeune qui habite dans l'Oise et qui avait lancé un appel dans le courant du mois de septembre concernant une dame en détresse qui vit dans une caravane, et il aurait aimé lui construire une tiny house. Donc il avait créé un compte Tipeee pour essayer de récolter des fonds nécessaires. Il a essayé de contacter des constructeurs, etc. Je suis tombé dessus par hasard. Comme vous le savez, moi je débute, donc je découvre un peu toutes les chaînes et je trouve ça intéressant. Et j'ai pris contact avec ce garçon qui finalement n'a pas eu beaucoup de retour de cet appel. Je trouve que l'initiative est géniale et magnifique. Et donc moi je vous invite à aller voir sa page, aller voir son compte Tipeee. Je profite de la lumière qui est mise sur moi aujourd'hui puisqu'on a atteint plus de 10 000 abonnés. Je vous assure, 1 euro c'est rien du tout. On est 10 000, s'il y a 10 000 vues sur la vidéo, s'il y a 15 000 vues sur la vidéo, ben voilà, allez sur sa page, versez 1 euro sur son compte Tipeee. Moi, comme je vous dis, je n'ai pas l'intention de faire de l'argent sur YouTube. Allez sur son compte Tipeee et moi, je lui ai promis que s'il atteignait la somme nécessaire pour réaliser cette tiny house, moi, je la construis avec lui. Donc, je m'occupe de la construction de cette tiny house avec lui. On fera livrer la remorque ici, on construit la tiny house et on l'offre à cette dame. Mais donc, pour ça, évidemment, il faut récolter une certaine somme. Voilà, je ne sais pas dire beaucoup plus. Allez voir cette vidéo, le lien est dans la description. Et voilà, j'espère que vous allez adhérer à ce projet qui me semble vraiment être une belle initiative. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse concernant cette initiative qui me semblait vraiment chouette. Maintenant, revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, calcul d'un escalier droit, tableau blanc, et j'essaie de vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Donc nous voilà devant notre petit tableau blanc. Pour essayer de vous expliquer donc comment faire son calcul d'escalier, comment prendre ses mesures sur chantier et retranscrire ensuite soit sur du papier millimétré, soit sur un logiciel. Ici, je vais essayer de vous montrer sur SketchUp, qui est un logiciel, j'ai le sentiment quand même, qui est connu du grand public, mais voilà, qui peut être retranscrit en termes de papier millimétré également. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on prend, enfin, à quoi est-ce qu'il faut regarder, surtout quand on prend ces mesures sur chantier ? Donc, la première mesure à relever sur chantier, c'est la hauteur du sol fini au sol fini. D'accord ? Alors, sol fini, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du carrelage de l'étage ou du plancher de l'étage au carrelage du rez-de-chaussée au plancher du rez-de-chaussée ou du grenier, enfin, peu importe, hein, mais fini, fini. Moi, je ne vais jamais prendre de mesure si on est au stade des chapes, par exemple. Si c'est uniquement la chape, je ne vais pas prendre les mesures parce qu'il peut y avoir des différences de hauteur avec l'épaisseur de la colle de carrelage, il peut y avoir des différences de hauteur avec la colle du plancher ou la sous-couche, ou le sol n'était pas de niveau, ce genre de choses. Donc moi, je ne vais prendre mes mesures que quand les sols sont terminés. Donc ça, c'est important. Ensuite, une fois qu'on a pris notre hauteur du sol fini au sol fini, on va prendre notre étendue. Alors, l'étendue, c'est quoi ? Ben, c'est la distance qui est à l'aplomb de votre arrivée d'escalier à la distance la plus importante disponible. Alors, des fois, la distance est illimitée, mais des fois, on a des obstacles. Par exemple, ici, moi, en l'occurrence, l'escalier que je dois construire, j'ai une porte. Donc, je vais devoir prendre la distance à l'aplomb de mon arrivée d'escalier à la porte, et moi je déduis de 10-15 cm en fonction des envies du client d'une part et d'autre part de la conjoncture de la pièce. Donc voilà, pour amener quand même un visuel et un confort de pénétration sur l'escalier, d'accord, ou d'accès à l'escalier plutôt. Ensuite,
Comment est-ce qu'on va prendre cette hauteur? Alors, la hauteur, on ne la prend pas de là à là, comme dessiné, on la prend de ici à là. Pourquoi? Ben parce que il peut très bien y avoir une différence de niveau, comme ceci, ou dans l'autre sens. D'accord? Donc, on installe son laser au niveau du sol ou au niveau de l'étage, et on va relever notre mesure entre le plancher et l'arrivée de l'escalier. Donc ça, c'est déjà quelque chose de super important. Inutile de prendre votre mètre, mesurer de là à là, mettre un niveau sur le sol, vérifier que ça, franchement, c'est pas top. Il y a aussi une autre méthode, c'est avec un tuyau d'eau. Donc vous prenez un tuyau d'eau et vous venez faire des relevés de côte par rapport à votre plancher. Donc par exemple, vous pouvez très bien prendre un tuyau d'eau, partir comme ceci, faire un trait à 1 mètre, faire un trait à 1 mètre, prendre la mesure de votre plancher de là à là. Admettons, vous avez 185. Et puis ensuite, vous prenez la mesure du sol à votre trait et vous avez 1 mètre. D'accord? Ensuite, vous allez reprendre votre mesure ici. Et si vous avez 1,1 m, ben ça veut tout simplement dire que votre sol descend. Donc, vous devez ajouter ce centimètre à la mesure que vous avez reprise ici. Ok? J'espère que ça, c'est assez clair, je pense. Donc, vraiment, bien vérifier la distance que vous avez ici. D'accord? Une fois que la distance, enfin, la hauteur a été relevée, donc moi en l'occurrence l'escalier qu'on doit fabriquer c'est 259,7 cm. D'accord? Alors je parle en centimètres pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est plus facile pour beaucoup de monde. Alors je sais qu'en menuiserie on parle en millimètres, mais voilà, ici moi mon but c'est vraiment d'essayer de vulgariser la réalisation des choses et pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc voilà, au niveau calculatrice et ce genre de choses, pour éviter justement les différences entre les millimètres et les centimètres quand on fait les calculs. Voilà, moi je vais le faire ici en centimètres pour faciliter les choses pour le plus grand nombre. Ok? Alors, une fois qu'on a déterminé notre hauteur d'escalier, on va mesurer notre étendue. D'accord? Donc l'étendue ici, moi en l'occurrence, elle fait 270. 270, donc 2,70 m ou 2700 mm, mais d'accord. Donc 270 cm, ça c'est mon étendue. Étendue et hauteur. D'accord. Une fois qu'on a déterminé ces deux mesures, on va ensuite mesurer la distance de l'ouverture de la trémie. Donc, des fois, vous avez une trémie qui est complètement ouverte sur 3, 4, 5 mètres. C'est vraiment toute une grande cage d'escalier. Mais des fois, on a une petite ouverture qui correspond à une distance qui est inférieure à l'étendue de notre escalier. Donc, dans ce cas-là, c'est très important de la relever. Moi, en l'occurrence, ici, mon étendue fait 2,70 m, mais mon ouverture de trémie fait 240. D'accord? Ça veut dire quoi? Que je vais devoir ensuite relever la distance entre mon plafond, donc la base de mon plafond, et mon sol, fini en bas. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de vérifier ensuite si mon échappée est suffisante. Mon échappée, c'est quoi? C'est la distance entre, admettons qu'on ait une marche ici, hein, donc comme ceci, c'est la distance entre le nez de marche qui se situe en dessous du plafond, le dernier nez de marche qui se situe en dessous du plafond, et la hauteur sous plafond. Et cette hauteur-là doit correspondre à minimum 2,10 m. Donc ça, c'est l'échappée, ça fait partie des normes, et on peut redescendre vraiment dans les cas extrêmes jusqu'à 1,90 m, donc 1,90 m. D'accord? Donc ça, bien relever la distance de hauteur du plafond au sol, au niveau de la trémie. Pareil avec le laser. Donc on vient mettre l'aplomb du laser, ou on prend un fil à plomb, celui qui n'a pas de laser, etc. On prend un fil à plomb, on vient le déterminer ici, on le pose, et on prend la mesure de notre fil à plomb au plafond, et on la note. D'accord? Donc moi ici, je vais mettre échappé.
je vais mettre 240. Donc moi, je sais que la hauteur sous plafond, c'est 240. D'accord ? Une fois que j'ai ces trois mesures-là, je dois maintenant mesurer la largeur de mon escalier. Donc la largeur, c'est la largeur disponible au niveau de la pose de votre escalier. Si vous avez une épaisseur ici de mur qui revient, il faut la prendre au-dessus et en dessous. Et vous devez prendre la plus petite mesure des deux. D'accord ? Si vous avez un escalier qui se trouve entre deux murs, vous devez prendre la mesure à plusieurs endroits pour s'assurer que ben, déjà les murs sont droits et ensuite que vous avez une bonne parallèle et quasiment identique. Pareil, si vous avez des différences, vous prenez la plus petite mesure. Vous faites votre relevé de la plus grande à la plus petite pour éventuellement prévoir des baguettes de finition sur les côtés de votre escalier. Ok, donc ça, c'est des choses vraiment super importantes à regarder. Quand on prend les mesures pour un escalier, moi, je passe environ une heure à une heure et demie chez le client pour prendre mes mesures. En fonction de la complexité de l'escalier, évidemment. Hein, pour un escalier droit simple, où le mur est droit et c'est pas entre deux murs, allez, en une demi-heure, j'ai fini de prendre les mesures. Mais quand il y a des escaliers en quart tournant, etc., il faut faire les relevés d'angle à l'endroit approximatif où l'escalier va arriver, enfin ce genre de choses. Ici, on est sur l'escalier droit, je fais un escalier quart tournant dans le courant du mois de septembre, donc je referai une vidéo probablement à ce moment-là concernant les prises de mesure pour un escalier quart tournant et éventuellement le calcul de l'escalier avec la méthode de la Herse. Et bon, j'ai un logiciel moi qui me permet de calculer mes escaliers, mais je peux éventuellement expliquer la méthode de la Herse pour les gens que ça intéresse. Je m'égare. Donc ici, on a pris notre hauteur, on a pris la largeur de notre escalier, on a la dimension de notre trémie et on a notre étendue. Donc on a toutes les cotes dont on a besoin. Donc la hauteur, je l'ai, 259,7. L'étendue, je l'ai, 270 ou 270. La largeur, je l'ai, d'accord, c'est 90 cm. Et mon échappée, je l'ai, elle fait 240. D'accord ? Maintenant, on va passer au calcul de l'escalier et comment faire son calcul, ce qu'il faut déduire et ce à quoi il faut réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, parce que comme je vous dis, je regarde beaucoup pour le moment des vidéos pour essayer de voir ce qui existe déjà, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, s'il y a un intérêt à faire une vidéo sur un sujet ou sur un autre. Il y a des petits détails qui me chiffonnent, qui ne sont pas toujours dits dans les vidéos, où je n'ai pas vu les bonnes. Donc ici, je vais maintenant vous expliquer comment faire le calcul et puis après, comment le retranscrire pour faire vos plans. Allez, je vous reprends après, j'efface tout ça, je refais le plan. Donc voilà, ici j'ai dessiné notre escalier, hein, approximativement, avec les calculs qu'on va devoir faire et les mesures dont on va avoir besoin pour tracer notre escalier. Alors, le calcul, comment est-ce qu'il fonctionne ? On va d'abord déterminer le nombre de marches que notre escalier va comporter. Ensuite, on va déterminer la hauteur de ces marches et puis après, on va déterminer le giron. Donc, le giron, c'est quoi ? C'est la distance entre le nez de marche et le nez de marche de la marche suivante. Donc, le giron, attention, ce n'est pas la profondeur de la marche totale. C'est uniquement de nez de marche à nez de marche. La profondeur de la marche, c'est le giron plus le nez de marche. Et le nez de marche, c'est quoi ? C'est ceci. C'est la distance que l'on a de débordement entre la marche inférieure et la marche supérieure. Ok ? Ça, c'est super important à comprendre parce que ça va déterminer beaucoup de choses sur le calcul et sur le dessin de votre escalier. Donc, je reviens à mon dessin de départ. Voilà. Donc, je vais faire comme ceci. Ok ? Bon. Donc, on a notre hauteur qui fait 259,7. Pour déterminer le nombre de marches dont on a besoin, on fait 259,7 divisé par 18. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait divisé par 18 ? Parce que 18 correspond à la marche parfaite. En tout cas, c'est ce qui est considéré comme la hauteur de marche parfaite. Donc, on va faire 259,7
divisé par 18, et on arrive à 14,42. Alors évidemment, on ne sait pas avoir 14,42 marches, donc c'est 14 marches, ou 15 marches, ou 16 marches, c'est des marches complètes. Ici, on a 14, quelque chose. Moi, je me mets toujours au chiffre en dessous. Donc si c'est 14,4 ou 14,6, je vais quand même mettre 14, parce qu'on a toujours tendance à devoir réduire, parce que malheureusement, dans les habitations, de plus en plus, les cages d'escalier sont restreintes, et donc on a beaucoup de mal à respecter une étendue qui correspond à l'angle parfait, etc. Donc ici, je vais mettre le nombre de marches, 14 marches, d'accord? Donc 14 marches, ça c'est mon calcul de départ. Je vais ensuite refaire ma hauteur divisée par 14, d'accord, pour déterminer la hauteur réelle de mes marches. Donc 259,7, ça c'est ce qui a été relevé sur chantier, divisé par 14, ça nous fait une hauteur de marche théorique pour le moment de 18,55 cm. D'accord, donc hauteur de marche 18,55 cm. D'accord ? Ça, c'est notre hauteur de marche. Maintenant, on va devoir déterminer notre giron. Et c'est là qu'il y a pas mal de choses à analyser et à retenir avant de faire ce fameux calcul de giron. Donc, le giron, c'est la distance cumulée, en fait, pour respecter la distance disponible entre notre porte, ici en l'occurrence, et notre palier, d'accord? Alors, un escalier, il est composé de quoi? Il est composé d'une marche palière et de différentes marches avec leur nez de marche. Donc, la marche palière, elle n'est jamais de la même distance que les autres marches, d'accord? La marche palière, elle est toujours plus petite. Moi, je l'ai fait toujours de 10 cm. Il y en a certains qui font 8, il y en a certains qui font 5. Moi, je l'ai fait de 10 cm. Donc, ma marche palière, 10 cm, d'accord? Cette distance-là, je vais devoir la déduire de mon étendue. Pourquoi? Parce que j'ai 10 cm, je viens reporter ici sur la distance de mon étendue. D'office, ma distance est réduite de ces 10 cm. Okay? Donc, au départ, j'ai 2,70 m, je dois déduire les 10 cm. Donc, ça fait déjà 270 moins 10 cm de marche palière. D'accord? Ensuite, et ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, il y a la distance entre mon dernier nez de marche et le bout de mon limon. Le dernier nez de marche ne vient jamais ressortir de votre limon ou pile à fleur. Il y a toujours un petit peu de matière pour venir encastrer votre marche. Et cette distance-là, c'est vous qui allez la déterminer. Moi, en général, je fais 1,5 cm. Mais voilà, on peut faire 2 cm, on peut faire 3 cm. Donc ça, cette mesure-là, vous devez la noter et la retenir pour la prendre en compte dans votre calcul. Donc ici, moi, je fais 1,5 cm. Et puis alors, vous avez votre limon qui revient comme ceci et qui vient poser. D'accord? Donc cette distance-ci, automatiquement, il faut la réduire également de votre étendue totale. Sinon, elle va être additionnée au calcul de votre giron. Donc ici, si je ne les déduis pas, ben, d'office, elle va être calculée sur l'avant. Donc ça, c'est un truc à retenir. Donc on doit faire moins 1,5 cm. Ok? Donc là, je vais avoir la distance de mon giron, c'est 270 moins 10 cm qui correspond à la marche palière, moins 1,5 cm qui correspond au débordement de mon limon par rapport à mon dernier nez de marche, ce qui me fait 258,5. Et ça, je vais le diviser non pas par 14 marches, puisque je dois déduire ma marche palière, d'accord? Étant donné que j'ai déduit la distance de ma marche palière, je ne vais pas calculer la marche dans mon calcul total de la distance à calculer, ok? De la distance de l'étendue à calculer. Donc je divise par 13, donc 258,5 divisé par 13, et j'arrive à 19,88, ça, c'est la distance de mon giron.
Alors, il faut savoir que le giron, pour qu'il soit considéré comme confortable, il faut qu'il fasse 23 cm. J'insiste, le giron, ce n'est pas la dimension totale de la marche. C'est la dimension entre le nez de marche et le nez de marche. Donc là, vous allez vraiment poser votre pied. Le débordement du nez de marche que vous avez, vous ne savez pas poser votre pied. Vous savez le poser en montant, mais vous ne savez pas le poser en descendant. Et un escalier, il est calculé, enfin en tout cas, il est considéré comme confortable en descendant. En montant, en fait, vous allez lever le pied un petit peu plus, etc. Mais il n'y a aucun problème de sécurité, puisque quand vous montez une échelle, vous ne vous sentez pas spécialement en insécurité. Par contre, si vous vous retournez et que vous essayez de descendre une échelle avec l'échelle dans le dos, vous allez tout de suite comprendre que c'est beaucoup plus dangereux de descendre avec l'échelle dans le dos que si votre échelle était complètement étendue. Et là, vous auriez directement beaucoup plus de facilité à descendre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre et qu'il faut le calculer, l'escalier. C'est la sécurité, elle est en descendant et non pas en montant. Donc, le côté confortable de l'escalier, il se fait en descendant. Donc, plus vous avez un giron important, plus l'escalier sera confortable en termes de descente. Donc ici, notre giron, 19,88, c'est beaucoup trop petit parce qu'en général, on essaye d'avoir minimum 21 cm de giron. Ça, c'est vraiment, pour moi, le strict minimum. Dans certains cas, on n'a pas le choix. Hein. Quand on fait une échelle de Meunier ou quand on n'a pas la distance nécessaire, on doit faire avec. Mais moi, j'essaie de rester dans 21. Alors, ça, ce n'est pas encore dramatique. Ce qu'on va surtout vérifier, c'est si notre pas est confortable. Donc, on a notre nombre de marches, on sait qu'on en a 14. On a notre hauteur de marche, 18,55. On a notre giron qui fait 19,88. Et maintenant, on va calculer le pas. Alors, le calcul du pas, il y a une petite formule qu'un monsieur a inventée, hein, monsieur Blondel, enfin c'est la formule de Blondel, qui correspond en fait à deux hauteurs de marche plus un giron. Donc, on fait 18,55 fois 2 plus un giron, d'accord? Donc, on va faire 18,55 fois 2 plus 19,88 et on arrive à 56,98. Donc ça, c'est Blondel. D'accord? On n'est pas dans la norme parce que la formule de Blondel dit pour qu'un pas soit confortable, on doit se situer entre 58 et 65 cm. Et le pas idéal de l'homme, c'est 63 cm. Donc ça veut dire que si vous prenez cette distance-ci, additionnée à celle-ci et additionnée à celle-ci, et que vous la reportez sur une ligne plane, ça correspond à 63 cm qui correspond à un pas confortable de l'homme. Voilà, pas moyen, d'accord? Donc, pour un escalier, on considère qu'on doit se situer entre 58 et 65 cm. Donc ici, on se rend bien compte qu'on est largement en dessous, puisqu'il nous manque un centimètre, un peu plus d'un centimètre, pour respecter. S'il nous manque de la matière, enfin s'il nous manque des centimètres, ça veut dire que l'escalier va être très raide. Quand on est au-delà de 65, ça veut dire que l'escalier va être beaucoup trop long et donc va pas être plus confortable non plus. On n'aura pas un pas normal, on va un petit peu se mélanger les pinceaux. C'est un peu moins grave, mais en tout cas, quand c'est raide, le seul souci, c'est vraiment de nouveau en descendant. Plus c'est raide, plus c'est dangereux. Donc, on va devoir refaire notre calcul pour trouver la formule qui nous correspond, c'est-à-dire trouver un pas qui correspond entre 58 et 63. Donc, du coup, on va réeffacer nos mesures. Voilà. OK. Donc, je ne vais plus faire 14 marches. Et je vais essayer le calcul avec 13 marches, d'accord? Donc je vais retirer une marche et je vais refaire mon calcul. Donc du coup, je fais ma hauteur divisée par 13, donc 259,7 divisé par 13. J'arrive à 19,97. 19,97, ça c'est ma hauteur de marche. Et mon giron, je vais faire 270 moins les 10 cm de la marche palière moins le centimètre et demi de mon dépassant de limon de mon dernier nez de marche
divisé par 12, puisque j'ai 13 marches moins la palière, et j'arrive à une hauteur de marche de 21,54. Donc, un giron, d'accord? Donc, notre giron ferait 21,54. Donc, 21,54, c'est la distance de notre giron. Maintenant, on va revérifier de nouveau le calcul du pas. Donc, la formule de Blondel, donc, qui doit se situer entre 56 et 63. D'accord ? Ça, c'est Blondel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? 19,97 plus 19,97 est égal plus 21,54 et on arrive à 61,48. 61,48, on est cette fois-ci clairement dans la norme prévue par Blondel. Donc tout ça pour vous dire en fait que ce n'est pas parce que vous avez fait votre premier calcul que vous ne respectez pas ou que vous avez fait votre calcul de base en divisant par 18 et puis votre étendue que votre escalier est correct et confortable. Il faut toujours essayer de se retrouver dans cette norme de 56 par 63. Donc là maintenant on est dans le bon, on a déterminé notre hauteur de marche et notre giron. Maintenant, on va pouvoir passer au dessin de notre escalier. Parce que ce n'est pas tout d'avoir ces mesures-là. Maintenant, il faut savoir le dessiner pour qu'il corresponde réellement à ces mesures. Alors, vous allez me dire, bah oui, il suffit de faire 19,7, 21,54, 19,7, 21,54, etc. Jusque-là, tout va bien si vous faites un escalier à crémaillère. C'est-à-dire que les marches viennent se poser directement sur votre crémaillère et que vous n'avez pas de nez de marche. Mais à partir du moment où vous faites un escalier encastré ou même à crémaillère, mais avec un nez de marche, les choses se compliquent un petit peu souvent pour pas mal de monde parce que, qu'est-ce qu'on fait ? On fait notre escalier comme ceci, donc hein, on monte, on fait notre escalier, 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 et on se dit, ben voilà, là j'ai ma petite marche palière hein, qui fait 10 cm, je vais faire mon nez de marche, donc je reprolonge de 3 cm, je reprolonge de 3 cm, je reprolonge de 3 cm, et je reprolonge de 3 cm. Alors, déjà ça pose un problème, c'est que là, vous êtes déjà 3 cm plus loin que votre calcul de départ. Donc si vous aviez la distance pile poil entre votre palier et une porte et que vous n'aviez pas un centimètre de jeu, parce que des fois ça arrive, hein, vous ouvrez une porte et vous êtes face à un escalier et les deux limons viennent buter contre l'encadrement de la porte. Dans ce cas-là, vous avez dessiné votre escalier, vous l'avez fabriqué, vous arrivez chez le client, vous le posez, ah, ça passe pas. Donc attention, les nez de marche ne se redessinent jamais vers l'avant. Pourquoi ? Pour la première raison que je viens de vous évoquer ici, donc vous iriez buter contre la porte. Et la seconde, c'est que dans ce cas-là, votre palière ne ferait plus 10 cm, mais 13 cm. En imaginant que le nez de marche fasse 3 cm évidemment. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Notre escalier, on doit toujours le dessiner avec le nez de marche vers l'arrière. Donc, vous avez fait votre palière qui fait 10 cm ici. Voilà, votre palière fait 10 cm, ben vous allez faire votre nez de marche ici de 3 cm. Donc vous allez reprolonger en fait votre giron de marche. Et là, vous allez avoir la longueur totale de votre marche. D'accord ? Donc vous additionnez 3 cm à votre giron. Et donc vous reprolongez votre marche. Vous ne la mettez pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Comme ça, vous avez un nez de marche de 3 cm par rapport à votre palière qui correspond à 10 cm et nez de marche de 3. Et puis vous venez reporter 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, et ainsi de suite, d'accord, jusqu'en partie basse de votre escalier. Donc là, vous avez tout
vos débordements de marche corrects et la longueur totale de votre marche. Donc ici, en l'occurrence, 23,54 plus 3, on arriverait à 24,54 de profondeur de marche. D'accord ? La profondeur de marche, on sait jouer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir 21,54. Si on veut avoir une marche et une valeur standard, on peut faire 24,5. Les 4 dixièmes de millimètre, d'ailleurs, c'est déjà quasiment impossible à les récupérer, sauf peut-être éventuellement pour des machines numériques. Donc dans ce cas-là, le giron, on ne sait pas jouer. Par contre, la hauteur de marche, il faut vraiment essayer de s'adapter au plus proche des 97. Donc moi, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais plutôt partir sur une marche de 20 et je sais que j'ai 3 dixièmes à additionner sur le nombre de marches. Donc ici, on va arriver à 3 mm et quelque chose. Et donc, je vais essayer de répartir ces 3 mm sur mes 3 premières marches. Donc mes 3 premières marches, je vais essayer de tricher au moment du défonçage pour répartir cette différence de dixièmes de millimètre pour tracer mon escalier. Mais ça, on y reviendra quand je ferai le tracé de l'escalier et le défonçage. On vous montrera, on a un gabarit bien spécifique, un pour le traçage et deux pour le défonçage des marches. D'accord ? Donc, une fois que vous avez tracé vos débordements de marche, hein, donc vos nez de marche vers l'arrière, il y a deux solutions. Soit c'est un escalier sans contre-marche, et dans ce cas-là, ben, vous avez juste une chose à faire, c'est retirer votre trait de crayon, éventuellement si vous l'avez fait sur du papier millimétrique, ou si vous l'avez fait sur un logiciel type SketchUp, etc., ben voilà, vous effacez les lignes, d'accord ? Donc ça, vous avez votre escalier, et vous allez dessiner votre épaisseur de marche. Donc votre épaisseur de marche, 3,8 cm, ou 3,5 cm, ça dépend un petit peu de votre souhait. Donc une fois que vous avez dessiné ça, ben, il n'y a plus qu'à transposer sur, donc hein, ici en gros, hein, grossièrement sur votre calcul. Maintenant, on va le faire sur SketchUp ou sur du papier millimétré. Alors, je vais le faire sur SketchUp, je vais essayer, je ne suis pas spécialiste de l'informatique, mais je vais essayer de vous montrer en partageant l'écran. Comme ça, vous allez voir comment est-ce qu'on dessine simplement hein, nos lignes et les plans tels qu'ils sont dessinés quand je les amène alors à l'atelier pour pouvoir réaliser ben, nos tracés, nos découpes, etc. Donc au final, on se retrouve avec un plan comme ceci, d'accord, où on a la planche dans laquelle on va devoir venir faire nos défonçages. Et puis je vais dessiner le dessus de mon escalier et le dessous de mon escalier pour me permettre d'avoir les côtes pour couper les angles en partie basse et en partie haute de l'escalier. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, on se retrouve dans mon bureau pour vous montrer sur SketchUp comment est-ce que ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc nous voilà arrivés sur SketchUp. Je vais essayer donc de vous montrer une méthode qui est très simple en fait pour dessiner votre limon en fonction du calcul que vous venez de faire. Donc on a nos cotes, donc 19,97 pour la hauteur de marche et 21,54 pour la profondeur de marche. D'accord ? On a nos dimensions de hauteur finie réelle de notre sol à sol. Donc voilà, ici, je vais sur l'axe bleu qui détermine la hauteur et je vais faire 259,7. Ça, c'est notre hauteur définitive. Ensuite, la profondeur, c'est 270. C'est mon étendue. OK ? Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir en fait remplir toute cette zone-là en escalier. Donc je vais faire mes 10 cm vers l'avant, donc qui est ma marche palière, et je vais descendre de 19,97. D'accord ? Ensuite, j'ai 21,54 de giron et 19,97 de profondeur. Ensuite, je viens sélectionner ma ligne bleue, je fais M, donc je fais Alt pour additionner mes pièces. Je fais M, je suis sur Mac, hein. Je fais M et puis Alt en prenant l'extrémité et je viens la mettre de l'autre côté. Et je fais x12 marches, en fait c'est x11 marches, voilà. Je fais x11 et j'arrive bien
au pied de mon escalier, moins, si vous regardez ici en bas à droite, donc si vous regardez en bas à droite de mon SketchUp, vous voyez moins 1,5 cm. Le fameux 1,5 cm qui était pour le débordement de mon nez. D'accord ? Donc le nez du limon. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, j'ai mon escalier qui est dessiné parfaitement comme les plans, enfin le calcul que nous avons exécuté. D'accord ? Maintenant, on va devoir dessiner nos marches et le limon. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? Notre marche, elle fait 3,8. Donc je prends l'outil ici, mètre, qui va me permettre de créer des guides. Donc je clique sur ma ligne, je descends 3,8 vers le bas, qui est l'épaisseur de ma marche. Je viens refermer. Je viens faire pareil sur la précédente, 3,8, et je viens faire mon guide. Alors là, je sais que ma marche fait 21,5 plus 3, donc 21,8, d'accord ? Qu'est-ce que je dis moi ? 24,8, et je viens refermer ma marche. Donc j'ai mon débordement ici qui correspond à mon nez de marche, d'accord ? Et je vais pouvoir sélectionner ma marche, M-Alt, au coin avant pour aller rejoindre le coin avant, et je le multiplie de nouveau par 11. Donc là, mes marches sont dessinées. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous avez un escalier avec contre-marche, soit vous avez un escalier sans contre-marche. Moi, dans mon cas, c'est un escalier sans contre-marche, donc je vais pouvoir supprimer toutes les lignes qui viennent du nez de marche de ma marche à la marche précédente. D'accord ? Donc je viens effacer toutes mes lignes. Et maintenant, je vais pouvoir tracer mon limon en fonction justement de l'arête supérieure et inférieure de mes marches. Donc je vais tracer une droite qui part de mon premier nez de marche au dernier nez de marche, et je vais venir tirer une parallèle. Donc je clique avec mon guide et j'ai 19,6. Moi, je fais toujours un débordement de 2 cm sur l'arrière, donc je vais faire 21,6. Ok, ensuite je vais faire pareil sur l'avant. Je vais aller rechercher mon guide, 21,6, et moi sur l'avant, je fais toujours 1,5. Donc je vais faire 21,6 plus 1,5, ça me fait 23,1. D'accord ? 23,1. Ok. J'ai fait n'importe quoi. Je recommence. Donc je reviens en arrière. Je clique ici. Je reviens vers l'avant et je fais 23,1. Voilà. Donc là, j'ai les guides qui correspondent au tracé de mon futur limon. D'accord ? Donc maintenant, je vais prolonger mes pointillés pour en faire des lignes. Voilà. Voilà, et je viens rechercher. Alors, une fois que ça c'est fait, moi, je trace toujours ici au-dessus de ma marche palière 1,5 cm. On peut faire 2 cm hein, si on veut, mais moi je fais 1,5 et je referme. Du coup, mon limon sur le haut est dessiné. Je vais faire pareil en bas. Donc, souvenez-vous, mon étendue, elle était de 270. Donc, je peux venir tracer un guide à 270. Donc, je recommence. Voilà. Je prends mon guide et je fais 270. Voilà. Et là, on vient retrouver le débordement dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux 1,5 cm ici, qui correspond justement à la distance entre mon dernier nez de marche et le bout de mon limon. Donc ça, je peux supprimer maintenant. Donc là, maintenant, j'ai mon limon qui est complètement dessiné, j'ai mon escalier qui est complètement dessiné, et je n'ai plus qu'à maintenant tracer mes côtes qui vont me permettre de ramener ça à l'atelier. Alors là, vous avez une pièce qui est, donc on peut peut-être juste vérifier que mes côtes sont correctes par rapport au plan que nous avons dessiné aux mesures. Donc on est bien d'accord, j'ai 259,7 qui correspond au plan et aux mesures de départ, et 270. Donc j'ai respecté
les dimensions disponibles que j'ai sur mon chantier. Maintenant, ça, je dois aller le refaire à l'atelier sur une planche que je vais devoir débiter. Donc, pour éviter de calculer les angles et ce genre de choses, moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais en faire une pièce rectangulaire. Donc, je reprolonge ici mes deux lignes, enfin, les deux lignes de limon, d'accord ? Et je vais venir tracer une perpendiculaire, voilà, donc hop, voilà, l'axe rose. Je viens à la pointe de mon limon, je reprolonge, je referme, j'efface ici toutes mes petites lignes, et je vais reprolonger mon guide ici, je clique une fois, et je vais chercher la pointe de mon limon de l'autre côté. Je retrace, je referme, voilà, j'efface mes traits, et du coup, j'ai une planche rectangulaire qui va me permettre justement de débiter et de tracer tout mon limon. Alors, ma planche, combien est-ce qu'elle fait ? J'ai besoin, pour faire mon limon, d'une planche qui fait 275, donc je vais retracer comme ceci, voilà, qui fait 375, pardon, ou 375,6 cm, d'accord ? Ensuite, ma planche fait 23,1 cm de haut. Je vais tracer de ma pointe à mon premier angle. Je vais tracer ici aussi également mes 15,2 et ainsi de suite pour me permettre de l'imprimer et d'aller à l'atelier pour pouvoir faire mes découpes. Donc je n'aurai pas besoin de commencer à relever l'angle en pied de mur ou en pied de limon. Je vais devoir tout simplement tracer ma planche qui fait 3,75 m, en partant du bout 14,1, puis de l'extrémité ici 15,2, puis de l'extrémité là 8,5, et venir reporter tous mes traits. Une fois que ça c'est fait, je pourrais tirer une parallèle de ce tracé ici à 1,5 cm, d'accord ? Une parallèle, mais tout ça vous allez le voir à l'atelier, qui vient du bord de mon limon et qui va représenter l'endroit où tous mes nœuds de marche se situent à 1,5 du bord du limon. Et ensuite, on va prendre les mesures des pointes de nos marches. Voilà, donc ici, en l'occurrence, 29,4. 29,4. Etc. Donc elles font toutes évidemment la même mesure, hein, puisque elles ont été compassées correctement. Voilà, je viens comme ceci, c'était juste pour vous montrer que c'est toutes les mêmes mesures. Et donc on va tracer cette ligne-ci sur notre limon et on va faire un trait en partant du bord ici à exactement, donc si vous le tracez, si j'y arrive, voilà ici. Donc vous allez faire un trait à 14,8 cm du bord et vous avez le premier trait de votre première marche, du premier nœud de marche, puis 29,4, 29,4, etc. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer à l'atelier avec les plans tels que vous les avez. Mais là, vous avez pu remarquer que c'est très simple de dessiner votre limon et de l'amener à l'atelier sans devoir faire des plans en 3D ou ce genre de choses. Après, tout ce qui est mesure et profondeur de marche, etc. Mais ça, voilà, c'est des petits calculs qui se feront à l'atelier, dans la pratique. J'espère que c'était plus ou moins clair au niveau de la réalisation du calcul. Je vais refaire de toute façon d'autres escaliers avec contre-marche. Je vais refaire un escalier quart tournant ici en septembre où là je vous ferai éventuellement le calcul de la herse pour ceux qui le souhaitent. Je sais que cette vidéo a été assez longue, voilà, mais j'ai voulu essayer de vous donner vraiment une méthodologie pour calculer votre escalier dans des conditions
avec contrainte. C'est-à-dire que je ne voulais pas vous faire faire un escalier tout simplement avec une étendue illimitée. Ici, j'ai pris un cas très pratique où on a une étendue limitée, où on a cette contrainte, on ne sait pas tricher, on ne sait pas faire plus grand, on ne sait pas faire plus petit et on ne sait pas faire de quart tournant parce que on a cette fameuse échappée, comme je vous disais. Donc, en admettant ici que nous avons un plafond qui vient ici, donc ça, on considère que c'est le plafond. Voilà. Donc, la distance entre le plafond et ce nez de marche-ci devrait être de 2,10 m. D'accord? Donc, voilà. Ça, je le referai dans une autre vidéo. Je vous expliquerai au moment de la pose de l'escalier. Quand on sera sur le chantier. Maintenant, les étapes qui arrivent, c'est le traçage des limons à l'atelier, le défonçage, la présentation du gabarit qu'on utilise et surtout comment on le positionne pour justement éviter de se tromper et de défoncer pile poil à la même distance. Tout ça, vous le verrez a priori la semaine prochaine ou mercredi prochain. Donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à bien vite. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusque-là, allez, à bientôt.